La planète se meurt face aux parasites qu'est l'humanité. Les modes de vie occidentaux sont incompatibles avec une planète vivable. Face à cela, nous avons trois possibilités. Soit les patrons des grandes multinationales et leurs actionnaires arrêtent de déverser leur pollution pendant que le reste du monde subit les conséquences de leurs actes. Je ne crois pas que le changement viendra d'en haut. Alors il nous reste deux possibilités. Planter le maximum d'arbres ou tuer le maximum de parasites. Notre société est si bien faite qu'il est plus dur de planter un arbre que de tuer quelqu'un. Il suffit de se procurer un couteau et c'est réglé. Êtes-vous prêt, vous derrière votre écran, à être témoin du sauvetage de la planète? Mais avant cela, je m'en vais voir mon ami Prizoguto. Ah, Prizoguto, comment ça va? Oh ma chère, je me porte pour le mieux. Et toi, comment avance ce grand projet secret dont tu m'avais parlé? Super bien, mais avant que j'en dise plus, voudrais-tu pas qu'on se retourne? Oh oui, oui, tu as raison, mes parmigiano. Ah, voilà, ce sera plus pratique comme ça. Viens là que je te prenne dans mes bras, mon ami. Punaise, on groove un max en bas, viens. Oh, mais remets-toi normalement, Gouja. La classe, hein? Bon, allez, viens. Bon, du coup, mon Prizoguto Dama, concernant ce projet secret, il faut d'abord que je te dise quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Je possède un pouvoir qui peut changer la face du globe. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir de merde? Tu me fais peur, là. Parce que tu m'en as fait des boutades, hein, oui. Je maîtrise la télékinésie. Bon, tu m'avais bien eu sur ce coup-là. D'ailleurs, je me disais... Non, mais, Prizoguto, les spectateurs, ils s'en fichent de tes anecdotes nulles. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'action, c'est des nibards, c'est des blagues de merde, c'est des cuts. Il faut que ça bouge là, ok? Donc on avance. Non, si, j'insiste. Je me disais... Oh non, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça c'est con. Bon, Prizoguto, je t'aime bien, mais là, on perd un temps considérable. Une quête nous attend, et je dois tout te révéler. Déjà, en te disant que je peux me servir de mon bras comme un violon. Alors oui, je te vois venir, tu vas me dire, oh, c'est pas très constructif, mais regarde et apprends. Watch and learn, ok? C'est incroyable, ma gazelle, ma biche, mi corazon! Oh, je possède aussi un pouvoir similaire. Je sais contrôler un orchestre avec mes bras, sans orchestre. Démonstration di prego, di spaghetti, di mamma, di parmigiano! Là, l'envie de faire un duo avec toi me prend.
savais combien je t'aime. Oh, Ezogu Tomiam, je ne rêve que de toi depuis des mois. Oh, ma joie n'est pas caduque, oh non. Oh, Ezogu Tomiam. Embrassons-nous. Plus de joie. Si tu savais ce qu'est ma peine lorsque tu es loin de moi. Et là... Et ce soir dans la gare, prendre l'avion, prendre le train, prendre un bateau, viens ta main. Mais parti. Ah, con là. Ce soir j'ai décidé de partir, de quitter ma maison, mes souvenirs, pour ailleurs. Et je vois courir en toi les petites maudites minces monnaies. C'est rien. Une haleine tueuse. Mais comme c'est cocasse. Avec ce pouvoir en ma possession, on aurait pu vivre tellement de belles choses. Mon amoureux. Que vous avez fait, mademoiselle ? J'insiste ! Votre acte de meurtre est une honte ! C'est tout ce que j'avais à vous dire. Thank you.